Comment ? Je demande à Catherine si elle pense qu'il y a assez de monde. Bonjour. Bienvenue au château de la Roche-Guyon. Je suis votre guide, Catherine Marchal. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Notre visite va bientôt commencer. Veuillez éteindre vos téléphones portables, mais n'hésitez à garder près de vous vos appareils photo, vos carnets, vos notes, pour prendre des notes des choses intéressantes. Si vous êtes prêts, on y va. Donc, au ce moment, on est devant le château. On est dans un corps, sous vos pieds, et du gravier. Derrière vous, il y a un centre d'accueil et des toilettes. Pour rentrer dans le château, il faut monter 15 marches. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vous êtes arrivé à l'entrée d'honneur. Elle a des portes qui s'ouvrent vers l'intérieur. Elles sont encadrées par 40 fenêtres. Je vous laisse rentrer. Droite et votre gauche sont des grilles en fer forgé. Elles sont noires et inutiles. Derrière la grille de droite, il y a des fissures au mur. Plaquées sur ces fissures sont deux fissuromètres. La date de la pose est gravée sur le polochon de plâtre posé. Ces dates sont le 4 avril 1998 et le 9 avril 1998. En se rapprochant, on voit qu'un fissuromètre a été mal placé, en voyant ses traces originales de placement. Je vous laisse regarder. Derrière l'autre grille, il y a un plan d'intervention accroché au mur. Il est rectangulaire. Devant vous est un grand escalier. Pour continuer notre visite, il faut effectuer une escalade de 39 marches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pause.
votre gauche est une astuce architecturale qui reprend les bords des balustres ornant l'escalier. Ils sont faux. Ces balustres sont faits en bois, de l'enduit et de la peinture texturisée. Sous mes pieds est un tapis rectangulaire en polyester et caoutchouc. Sur votre gauche est un panneau blanc duquel on a retiré le mot « galerie » grâce à la technique dite de la découpe laser. On se retrouve dans la galerie. Je vous laisse admirer le territoire français en 5 fragments. Cette pièce est décorée par une série de 4 socles en bois contreplaqué. Ces socles cachent des prises électriques. À l'intérieur, il y a un câble alimentaire qui allume une lampe dans la vase. En observant la pièce entière, chaque socle semble avoir sont élaborés à titre. Je vous arrête ici pour vous rappeler que actuellement, un laser invisible traverse cette pièce par sa diagonale afin de détecter l'absence ou la présence d'une incendie. Vous êtes dans la salle du billard. Nous remarquons un changement chromatique. La salle est peinte couleur du jaune d'œuf. La cheminée est en marbre. Ce marbre rouge inspire le motif marbré peint tout autour de la pièce sur les plantes et même sur les prises électriques. Le mur, face aux fenêtres, a 2 portes. Ces portes semblent très similaires, mais sont très différentes. Celle de gauche, inaccessible, sans poignée, renferme un placard de ménage. L'absence de poignée génère de la salisseur sur le côté de la porte. Au contraire, celle de droite, très propre, accessible, mais fermée à clé. Nous sommes dans un couloir. La porte de la salle suivante est bloquée derrière sa butée. Pour ce faire, les 2 poignées ont été retirées.
Vous êtes maintenant au petit salon. Le nom suggère une pièce faible en espèces. Il y a une cheminée. On voit deux socles qui n'appartiennent pas au petit salon. Ils se sortent avec la cheminée de la salle de jeûne d'œuf. Au-dessus de la cheminée est un miroir qui est inutile pour ceux qui mesurent moins de 1,65 m. Derrière moi est un grand tableau. Ce tableau peint une image du territoire français que nous avons admiré tout à l'heure. Le tableau à côté dépeint le même territoire français, mais plus rapproché. Cette pièce est équipée par plusieurs meubles, dont 4 sont inaccessibles au public, mais les meubles réservés au public sont tous couverts avec un tissu rouge velours. Je vous invite de les frotter doucement pour profiter d'une sensation agréable. Ce passage modeste nous amène au boudoir de la tour carrée. Devant nous est une porte-fenêtre qui donne une vue sur une partie du château inaccessible. Cette porte-fenêtre est fermée et sécurisée grâce à un cercle. Il y a quelques réparations ici. On voit 1, 2, 3 et 4 réparations en bois. Ces additions s'assortent architecturalement, mais pas chromatiquement. Au milieu avec 8 branches et 8 fausses bougies qui finalement n'éclairent rien. La vue est moins impressionnante que celle de la galerie. Le plafond est peint bleu et blanc pour qu'il fasse beau 24 sur 24. Sous mon pied est une réparation du parquet mal faite. Thank you.
Cette pièce dit le cabinet chinois est une pièce qui n'a pas l'air d'être une pièce. Bienvenue à la chambre de Zénaïde. Voici un exemple d'une chambre ratée. Je vous laisse regarder. Vous êtes au salon d'angle. Là, je vois un deux, trois et quatre. Toi le dernier. Toutes à la même hauteur dans les entrebois. Voilà la bibliothèque. Ici, rien de remarquable. Cabinet de curiosité. Alors, si vous ne connaissez pas la couleur du vert céladone, c'est du vert céladone. Du vert céladone.
Dominique, François, Louis, Louis, Armand, Alexandrine et Louise. Le théâtre! Non, non, ne descendez pas. Ne descendez pas, s'il vous plaît. Sur ma droite est l'entrée du théâtre. Mais elle est inaccessible. Thank you.